Ok, bon bah les heures sup, c'est parti. Je m'attendais un peu. Mais j'aurais préféré pas faire des heures sup le lundi, mais c'est pas grave. Ouais, la pas mal de PV. Par contre, y a pas de mode kill pour lui. C'est un peu la merde. Mais l'avantage. On perd, on va recommencer. Toi. Ça ne sert à rien, ça. Avant que tu crèves, ça serait bien, non? Pas tout de suite. Round 2. Arrêtez d'attaquer. L'emblème de Martin. Yahari, Imano Kimini wa Murika. Anta o korosu toka, rekishi o yugameru toka, wake wakarane. Sonna no douse, Yuru ga kanashimu dake da. Kanashimasete mo, sukuereba ii. Doko iku nda? Yuru o misuteru no ka? Valhalla e iku. Kono te de Megami o koroshi, Yuru o kaihou suru. こうしてカイアスは去っていった。生きている人間は俺とユールだけになった。Je peux sauvegarder un peu, oui. Il vaut mieux. Je sens qu'après je vais devoir tout traverser dans le sens inverse. On a entendu des trucs intéressants. Hein, visiter le lieu à 100%, c'est une zone assez difficile en plus. Et pour cause, je crois que c'est l'avant-dernier lieu avant la fin du jeu. On y arrive enfin. カイアスが姿を消して間もなくその時はあっけないほど早く来たユルおいユルノエル分かってたけどさよならって怖いねもう少しだけ一緒にいられたら泣かないでまた会えるから Noël a subi la mort de deux loups. Caius, une flopée. ユールを亡くして初めて俺は時読みの巫女の真実を知った巫女たちは
未来を見るたびに寿命を失い、やがて若くして死ぬ。それは女神エトロの力の代償だった。俺は何にも知らなかった。だからカイアスを許せなかった。あいつはユールの運命を知っていたのに黙っていたんだ。ノエル、俺は旅に出た。カイアスのように女神エトロに認められた戦士になれば、運命を変える力が手に入ると思った。だから女神がいるというバルハラを目指した。バルハラを探してさまよいながら考えていた。ユールの幸せにつながるなら俺はどうなってもいい。消えてしまっても構わない。ひょっとしたら俺は心のどこかでこの世から消えたいと願っていたのかもしれない。天よりも高く思える黒い山脈、世界より広く思える白い砂漠。どこまで行っても人の姿はなく、いつまで経っても女神は扉を開かなかった。Ça, c'est les derniers trucs pour voir les new machines.Au bout, on va essayer maintenant. Etoro, ついに歩けなくなった。だんだん体が冷えていって、死ぬっていうのがどういうことか分かりかけてきた。その時始まったんだ。私のこと、もう忘れた？セラ！ノエルは夢を見ていたの。優しい記憶だけでできた終わらない夢。壊したのは私。ごめんね。夢はいつか覚める。教えに来てくれたんだな。Lui ? 一緒に進むしかないよ。ノエルの代わりはどこにもいないんだから。同じ夢を見て同じ時を旅した。未来を変えるために。そしているか。
sérieux. ダメだ。セラ、聞いてくれ。今の夢の中で記憶がつながった。時読みの力は呪われているんだ。ユールはたった15で死んだ。時を見ることは命を削ることなんだ。そしてセラも未来を見てる。私もうすぐ死ぬの？大丈夫だ。ユールと違ってセラはまだそんなに時を見てない。でもこれからはわからない。歴史が変わると違う未来が見える。嫌でも見えてしまうんだ。この先俺たちの行動で大きく歴史が変わったら、時が見えすぎてセラの命に関わる。ユールを守れなかったことは覚えてた。でも何があったのか思い出そうとするたびに、まるで記憶が消されたみたいに頭の中が真っ白になって、もっと早く気づいてれば。Mais ta responsabilité, je veux quand même changer le futur, que qu'il se sait que ma gratitude est finie. わかった。でもやっぱり私は私の意思で未来を変えたい。セラ、それがバルハラで待ってるお姉ちゃんの願いだから、一緒に未来を変えよう。急げば間に合うはずなんだよね。もしかしたらもう何も見ないかもしれない。その前にバルハラにたどり着けるって信じよう。だからこの話はもうおしまい。分かった。必ず連れて行く。モード、オグマヨムゴッゲマ。まだ夢の世界みたい。出口はどこだろう。手がかりを探さないと。一度ユールのいた場所に戻ろう。エミナパリシ。Bien vu, mais je veux pas combattre tout de suite. Combattre la semaine prochaine. Juste savoir si...
か閉じ込められちゃったみたいなのよ。ほら、こんな時こそショップでお買い物。そんでもってここどうにかして。Mode, tu vends des bons trucs cette fois. On a toujours les mêmes armes. C'est bien lourd. Mais des accessoires, faudrait que je regarde. Hein. C'est le moment de suréquiper notre équipe. Catalyseur, il y a des boulons, des puces, ça fait tout le monde. C'est plus la merde comme d'habitude. Oui, arigato. Atashi, ouen shite ru kara. Il y a encore Mok et Tant Portrait en fait. Alors, le dossier avec Sera, Noël, on apprend les histoires, le paradoxe de la mémoire, les histoires et légendes avec les gardiens, les yeux des trous, on voyait depuis le début, maintenant on sait ce que c'est. Pas mal de révélations, énormément de fragments ont été découverts aujourd'hui. Le monde agonisant, que le premier. Les abîmes du temps. Et maintenant 82, j'ai chopé quasiment une vingtaine. Voilà. Donc du coup, dans les équipements, juste savoir si tout ce que j'ai eu pas mal de nouveautés. Un emblème de martyr me donne une résistance 75, perte de PV, poison constant. La minute de Magus est souhaite foi, est souhaite volonté, souhaite bravoure, résistance 4 éléments plus 20% de défaillance, résistance à tout. Portée royale, résistance au physique et magie plus 15 défaillance, armure plus 15, magie plus 15, électroprotection, monteur à PV, acuité du chasseur, potion améliorée, peau dure. On va voir. Petit passage au Crystallium. On en était où du coup? On reste plus que le défenseur à monter de l'Iran. Ah, il y a beaucoup d'attaques aussi. Hein. On a 3 d'attaques, cool. Des PV, ça devrait aller. Le péter tes dégâts. Ah, mais c'est Sera. C'est pas grave. Le péter les dégâts, Sera aussi. Aussi beaucoup de PV. 23 000. Ah, y'a de quoi monter là. Survie. Allez, de l'attaque. Plein d'attaques. Plein d'attaques. 800 points maintenant. Bonus de saboteur, je commence à faire vraiment le plus de dégâts possible. On va démarquer de ça. Beaucoup de magie. PV, ça c'est cool. 3000 PV pour Sera, nickel. Alors, on a vu le boss précédent, il m'a quand même fait beaucoup de dégâts. On tient la fugue, c'est bon. Soigneur au cas où. Plus de magie. Soigneur défenseur. Je pense que j'ai toutes les compétences, donc il n'y a pas de soucis là-dessus. Mais j'ai encore énormément de retard au niveau de... Ah, j'ai que des PV là. Ah, c'est bon. Oh, oui. Pour Noël, il me restait le soigneur à monter. Mais lui, il faut qu'il passe à 400 voire 500 de dégâts là. Pas beaucoup. Clairement peu là.
Il y a un peu de ravageur aussi. Attendez, attendez, qu'il pique lui. Quatre d'attaque, ça fait pipi. Et bientôt, ça va monter à 5-6 d'attaque. Ne vous inquiétez pas. Ça va monter vraiment rapidement. J'ai pris vigueur là. Solution. J'ai pris une bonne défenseur du coup. 5 d'attaque. Ça fait du bien. Qui tombe, une attaque en plus 2, un ravageur, on va les avoir les 4500 PV, R3, l'exaltation qui va tomber aussi. Ouf, le 4 de dégâts. Et on y arrive. Normalement j'ai plus rien, donc du coup je vais prendre défenseur pour moi. Enfin full PV. Plus 1 de dégâts. Plus 4 de dégâts. C'est pas si y a beaucoup hein. Là, 255 331 mais surtout 293 268. Ouais, il a surpassé en tout les compétences de Serra. Donc lui il a 100 PA et il en a pas encore 100. Ce sera au prochain. Avec les sérieux, donc surexplosé. Mon flanc, je peux pas. Non, c'est les accélérateurs qui coupent. J'aimerais bien avoir des accélérateurs universels, mais c'est mort. Et donc, c'est là-dessus que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, parce que c'était quand même une phase d'heure sup. Est-ce que je peux aller au cœur de l'histoire? Oui. Pour montrer à quel point ça a évolué. Ah non, ça n'a pas encore évolué. On est bloqué ici. Ok, on est bloqué ici. Donc du coup on va finir avec le monde agonisant. Je vais sauvegarder, donc maintenant je suis bloqué ici jusqu'à nouvel ordre. Sachant qu'il faut que je visite à peu près tout l'endroit. Et après il restera plus qu'un seul lieu à visiter pour finir le jeu. Ça est un gros truc de labyrinthe si je ne me trompe pas. Avec des mobs ultra badass. Donc si j'arrive pas à les affronter les mobs de cette zone, je sais que je pourrais pas affronter le boss final. C'est aussi simple que ça. Mais je me rends compte quand même que je suis encore à plus 800. Un cost de 810 au niveau des PA pour monter les compétences de mes persos, je crois qu'on peut aller facilement au double, donc il y a encore pas mal à améliorer, mais on va voir ça justement contre les mobs qui suivent ici, parce que normalement ces mobs là ça devrait aller, mais je devrais pas tarder à pouvoir aussi m'attaquer aux fins alternatives. Mais encore faut-il que j'améliore encore mes persos, et surtout il faut que je récupère les dernières armes. Parce que c'est pas normal que j'ai pas encore débloqué ces armes là, alors que ça devrait être disponible sous peu. Sinon, on se retrouve mercredi pour notre séance hebdomadaire à l'aventure compagnon sur Genshin Impact, dans lequel l'ingénierie divine que je vais faire. Je crois que c'est l'event, c'est le seul event qu'il y a pour l'instant. Parce que j'ai fini l'autre, qui était un gros event. Nouvelle vague de vœux, mais ça je les ferai plutôt samedi. En attendant, on se retrouve aussi vendredi pour notre séance Duel Master. Master Duel, donc du mode solo, 15 rangs à monter pour essayer d'être dans les temps au niveau du pot de cupidité compagnon à obtenir. Comme ça, c'est dans ma collecte. Nickel. Il y aura évidemment tout ce qui est ouverture, etc. Quand j'en aurai l'occasion et si j'ai assez à dépenser. Sinon, on se retrouve samedi pour, si tout va bien, deux choses. La première, c'est... l'ouverture arsenal mystérieux, les rééditions des arsenals mystérieux, donc on est sur collection légendaire chapitre 1 des arsenals mystérieux. Il est possible qu'il y en ait d'autres qui suivent derrière durant l'année,
Mais pour l'instant, on n'est qu'au premier chapitre, et donc c'est une opportunité pour tous ceux qui viennent tout juste de commencer à jouer et qui veulent collectionner, d'obtenir à nouveau les archétypes duel terminal. Il y a pas mal d'archétypes quand même, il y a Cloche de Feu, Naturia, Allié de la Justice, je crois, Genek, je suis plus très sûr, les Verts, il me semble, et une opportunité d'avoir Absorption de compétences aussi qui est maintenant à nouveau disponible en 3. Puis la dernière banniste. Enfin, j'en parlerai mieux quand j'ouvrirai ces boosters-là, parce que là, on n'est pas là pour ça. Par contre, ce qui va vous intéresser, c'est qu'on se retrouve du coup la semaine prochaine pour le monde agonisant. Pour moi, c'est l'avant-dernier lieu avant le chapitre final du mode histoire, en tout cas, pour avoir la première fin, la fin logique. Sinon, comme j'ai dit, j'ai deux fins alternatives qui sont déjà disponibles, mais il faut savoir qu'une fois qu'on finit le jeu la première fois, tout se débloque. On peut avoir les autres fins alternatives, mais les boss sont quand même très hardcore. Il y en a un en particulier, bon là, que j'ai battu très facilement, mais en vrai, il est pas facile. Voilà. Sur ce, moi, je vous dis bonne nuit plus plus. Ciao, c'est Jean.